Lecture du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras pour tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Ce temps de pandémie pourrait-il ne pas être une occasion de redécouvrir l'importance pour une famille, pour la famille, d'avoir une journée dans la semaine où tout le monde peut être ensemble au même moment? De sorte que le dimanche ne pourrait-il pas non seulement être un jour de repos, mais aussi être un jour, le jour de la famille. Et de sorte que ça devienne facile, on sait que, surtout à partir du moment où les enfants sont plus grands et qu'ils travaillent, les grands adolescents et que tout le monde travaille, ça devient très difficile le dimanche de rassembler tout le monde autour de la table. Il y a une mère de famille qui me disait, quand je veux que tout le monde soit autour de la table un dimanche soir, il faut que je m'y prenne 1 mois d'avance pour m'assurer que les gens vont pouvoir y être et que les gens s'organisent. Ça devient un événement à chaque fois. C'est compliqué chaque fois. Il faut prendre du temps chaque fois. Et c'était une souffrance qu'elle exprimait. Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps de réflexion qui nous est donné pour redécouvrir l'importance d'avoir une journée dans la semaine où la famille peut se retrouver tout le monde ensemble? Et cette journée, c'est le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le jour de la famille.